Et rebonsoir, camarades. Aujourd'hui, on se retrouve sur Resident Evil Village. Ou Resident Evil V bâton, âge. Ou alors Resident Evil 8, l'âge. J'adore faire ces jeux de mots pour commencer le live. Alors, on va charger une partie. Là. Bon. Alors, Ethan von Hiver avait une belle vie, mais d'un seul coup. J'essaie de vous résumer un peu l'histoire. Ethan von Hiver avait une belle vie avec sa femme et sa petite fille Rosemary Winters. D'un seul coup, il a oublié, il s'est souvenu qu'il avait pas payé ses impôts et que Chris Redfield lui a fait bien savoir qu'il fallait payer ses impôts et aussi ne pas gagner au poker 5 fois d'affilée. Et ouais. On m'a kidnappé. On a kidnappé mon gosse et on a tué ma femme. On a détruit ma maison. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Et d'un seul coup, pif! Un accident de voiture, enfin de camion, avec deux hommes, même s'il lui fallait une petite brigade. Je rentre dans une maison complètement délabrée et d'un seul coup, je vois un village. Ah, ce village est complètement chelou. Il y a des lichens. Il y a des corbeaux pendus, il y a même des têtes de chèvre. Il y a une prêtresse chelou, il y a une sorcière qui est complètement psychopathe. Et des villages et des survivants qui sont tous morts. Soit par les lichens, soit par un mec qui s'appelle Leonardo qui s'est transformé en lichen. Même sa fille, elle est tombée dans le piège. La pauvre. J'ai pas dû comprendre. Bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'on avait récupéré les deux morceau de relique pour pouvoir ouvrir la porte du château. Dimitriscu, bien sûr. Enfin, je pense que c'est Dimitriscu. Alors, démon. Ouverture de la porte. Rien d'autre que le sang et la mort. Hein? Ouais. Bon, tant pis. Bon, y a rien? Ah, dommage. Bon. On va explorer un petit peu par là. Je suppose que ce chemin nous amène au château. Ah, scheisse. Toujours des portes fermées. Allez. Tiens, tiens. Ah, il vient d'où lui? Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Bah oui. Vous êtes qui? J'ai pris des attaques de Glican et Oh, autres, je suis toujours vivant. t'es pas d'ici. Oui, je suis pas d'ici. Encore mieux. Ah, ça va, c'est pas raciste. Ouais, là, ça fait. Oh, je t'ai rien demandé, frère. Mère Miranda va t'adorer. Bruh. Super, je me fais kidnapper. Ça fait deux fois en même pas 6 heures. Putain, ma vie c'est de la veine. Ethan von Hiver, tu n'as pas de chance. Oh. Arrête de geindre, on y est presque. Arrête de geindre, tu veux que je fasse quoi? Tu me kidnappes, ça fait deux fois en même pas une demi-journée. Bon, où je vais-je atterrir encore? Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme. Ah bah ça doit être Dimitriscu. Adore s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitriscu, mes filles et mes frères, donc, en gros, fermez-la vous deux. En gros, tu vas le garder juste pour toi. Mais il est chaud, on s'amuse quand? Ah, laissez-le je suis dans moi. Une chapelle, j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux?
En tout cas, je peux vous garantir que c'est pour ça que les villageois, ils sont réunis. Petit oiseau ou à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg. Ah, ça, je suppose que c'est Mère Miranda. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. 90, confiez-moi ce mètres. Mortel et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise. Ah, lui, j'aime bien. Viens chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Ouais, c'est vrai ça, j'ai peut-être un truc à dire, non? Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci, mère. Licor et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Voyons ce que tu as dans le ventre, Ethan Winters. T'es prêt? Ya, Jabine, sois prêt pour terminer ce jeu. Je te mérite. Mon idée, c'est quoi? C'est tout unicorn? Bah, je vais galérer. Ah non, c'est de me casser. Envie. 5, 4, 3, mais saute, qu'est-ce que t'attends, mec? Les unicorns, ils veulent te buter. Eh bah, courons. Ah, putain de merde! C'est ça, cours pour ta vie. Ah, on va aller par là. C'est très bien, Ethan. On va aller par là. Oula. Oh merde, il y a le chef du village. Mais non, mais casse-toi, je t'ai rien demandé, frère. Oula. Ouf. Oh, elle me violente comme il m'a jamais violenté. Ouh, un toboggan. Génial. Toujours en vie. Impressionnant. Ah. Bah, peut-être pas pour longtemps. Merde. Ça alors. Tu es vraiment aussi fort qu'on le dit. Oui, la sortie. Ah, pas la sortie. Si, je dois continuer à divertir Donna et Moro. Il est donc temps de passer au clou du spectacle. Attention, ça va saigner. Rien de tel que la viande hachée américaine. Ah bah ça, frère, t'as failli mourir empalé. Attends, c'est ces barges qui ont rose? Bah je crois que bien que oui, en fait. Malheureusement pour toi, t'as des 4 cinglés et une prêtresse chelou alias Mère Miranda qui casse les couilles. Hey, y'a certains pièges qui marchent même pas. Ah, c'est bon, on peut se casser. Allez. J'ai chose à foutre que de leur jeu de merde. Je dois retrouver ma fille. C'est les portes du destin. Putain, j'ai que de la thune. Y'a pas de bouffe dans le coin? Oh, elle plantasse.
Ah. Oh, salut toi. Je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Pas apparemment. Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Ouais, c'est vrai ça. Vous êtes complètement chelou, vous aussi. Je ne suis qu'un humble marchand. Bah ça va là, je me rassure. Je me présente, je suis le duc. Parlons affaires, armes, munitions, pourquoi il nous fait lui ? Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Ouais, de thunes. Ouais, je vais acheter pour faire des balles de fusil à pompe. À la prochaine fois. Ouais. Entrant dans le château. Bon. Château Dimitrescu. Est-ce que Rose est ici ? Bah j'ai l'impression. Oh, de la thune. Il ne se passe rien. Ok, nique sa mère. Ah voilà. Allez. Trois filles, Bella, Cassandra et Daniela. Oh non, il y a aussi les filles. Oh non, bah non. Je vais coltiner la mère et la fille, nickel. 5 janvier, Rednik, livraison d'un homme et de trois femmes. Ok. 28 janvier, Miranda entretient avec Madame Dimitrescu. 1er février, le duc, discussion d'affaires. Ouais, du coup, le duc, il connaît parfaitement bien. Tous les nobles, j'ai l'impression. Enfin, je suppose que c'est des nobles. C'est vrai depuis l'autre côté. Allez vous faire enculer. Insulte gratuite, mais méritée. De la tunasse, mais je prends. Ouvre la porte. Salle des Hall des Anges. Ah! Oula. Labyrinthe de Norstei. Artisan de la fin du 19e siècle, Norstei fut qualifié d'hérétique puis banni de sa patrie. Il erra longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa 4 labyrinthes, le château, la maison sur la colline, le moulin haut et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tombe et se donna la mort. Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métallique spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les 4 labyrinthes renferment des ossements humains parés de cristaux de différentes couleurs. On raconte que ces ossements sont ceux des 4 fans qu'a aimé Norstide au cours de sa vie. D'accord. Et donc, ouais, c'est ça là, c'est pas qui me semble. Bah, je sauvegarde et je sauvegarde. Voilà. Je sauvegarde en dessous. Voilà, on sait jamais. Bon, allons par là. C'est fermé, nique sa mère. Allons par là. Nique sa mère, c'est encore fermé. Allons par là. Restuvius des 4 anges, ce n'est qu'alors que vous trouverez le salut. D'accord. Ça veut dire quoi ça? Attends, il y a des bouches. Hein? 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 Comment c'est possible ça? Comment c'est possible ça? Là, oh. Alors, je sais pas ce que vous voulez faire, mais mesdames, je suis marié. Hein. Le sang d'un homme. Ah, d'accord, ils vont sucer mon sang. Ouais, yes, des vampires. C'est fun.
Mais laissez-moi. Lâche-moi, Michel. Lâche-moi. Lâche-moi, Michel. Ah. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Ah, merde. Dimitriscu, comment vous allez bien? Bien. Jetons-y un œil. Waouh. Ça, alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Oui, toujours. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Putain, trois filles plus la daronne à buter. Oh là là. D'accord. Ah, effectivement, effectivement, elle adore le sang. Ah, c'est dégueulasse. Il commence à perdre de sa salade. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Je vais tous vous buter, ensuite, vous comprenez? Il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Je vais toutes vous buter une par une, vous avez compris? Ok, ouais, non, peut-être pas, mais je vais toutes vous buter, ok, j'ai pas peur. Arrêtez, je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Je vais toutes vous buter. Faites-moi bon, des... Je suis un cinglé. Je vais toutes vous buter, une par une. À calage de pompe, de roquette si j'avais. Et là, j'ai juste un pistolet de merde et un pompe de merde. Oh yes, en plus, elles seront dans le château. Nickel. Le fun à l'état pur. Oh non, il fait ce que je pense. Ah, c'est... Attention, en même temps, il n'y a pas de choix. Ah. Ça devrait être plus facile avec la main gauche. T'as deux doigts en moins. Effectivement, bah, t'es tombé sur une bande de cinglés, hein. Oh, Déon! De la lotion! Vive l'eau! Tiens, ta vaisselle de merde, je vais tout casser chez toi. Vert carmin, ok. Je m'en fous, je veux tout casser chez toi. Putain, c'est quoi ces tiroirs pleins de vide? De toute façon, j'ai déjà tout. Ok, on se casse. Cette serrure pourrait être crochetée. Non, no joke. Cette porte est fermée, mais... Mais putain! Le menave est très très fort, là! Tout est fermé, ici! Par contre, Capcom, c'est pas normal que une tasse en porcelaine résiste à un coup de couteau. Je dis ça, je dis rien. Oh, des rats, nickel. C'est mes poteaux. C'est faux. Bague avec un œil écarlate. Allez, on se faufile. Allez. Voilà, c'est déverrouillé. Oh, de la poudre noire. Et pas de la poudre blanche, MDR. Je m'en fous, je casse tout. Moi, je suis un dangereux, je suis un gangster. En fluide chimique, je m'en fous, je fais tout casser. Comme ça, paf, fragment de cristal. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Eh bien, peut-être derrière cette porte. On va aller par là.
Ok. Ouh. 45 balles. C'est déverrouillé depuis l'autre côté. Va te faire foutre. Ah oui, effectivement, elle boit du sang. D'accord, c'est une vampire. Yes. On va commencer par fouiller à gauche. 200 lay, ok. Putain, mais c'est tout est fermé ici, c'est pas possible. C'est quoi ce château de merde? C'est tout fermé. De fermer. Je rage, mais en même temps, c'est vrai. Ma rage est légitime. Fluide chimique, ok. L'histoire viticole du château Dimitrescu remonte au 15e siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Assina Dimitrescu a combiné les techniques traditionnelles et un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Donc du coup, je suppose que c'est là que je dois déposer une bouteille spéciale ornée de fleurs. Ouais, donc c'est la bouteille que je dois... Ok, ici c'est Uno Cava. J'attends les elfes fragments de cristal. Ya, je vais tout péter ici. Je suis un dangereux. Putain, un tiroir de merde. T'es ouvert, ok. Impossible d'utiliser ça. Ah. On va lire les notes à la fin du live, bien sûr. Œil écarlate. Oh non. Oh non, pas ça. Je dois courir. Ah, effectivement. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ces gardes. Laisse-moi te prendre. Merde. Te capturer mort ou vif, tu préfères. Va te faire foutre. Oh, je ne peux plus, Martin. Ah, voilà. Oh. Où suis-je? 9 juin 1958, c'était mon premier jour de travail au château. Aujourd'hui, j'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordraient pas, c'est pour le moins étrange. Cela fait 23 juin. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et mademoiselle Danielle lui a taillé le visage avec un couteau. Wow, c'est plutôt violent. Et la nuit, j'entends des gémissements comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. Oui, normal. 8 juillet, je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner, alors j'ai entrouvert la fenêtre. Fermez-la immédiatement, m'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et qu'on ne me revoie jamais. Je ne sais pas quoi faire. Bah, casse-toi. Voilà. Chaque problème, sa solution. C'est ce qu'on dit. Ouf. Oula, il y a Dimitrescu là. Merde, c'est la bouteille qu'il me faut. Je peux. Ah mais non. C'est pareil avec la bouteille qu'il me fallait. Eh merde. Mais non, c'est pareil avec la bouteille que je voulais, qu'il me fallait. Bon, tant pis. Tout cassé. Oh. Salle de la guerre. Crois en la lumière. Bon, bah, c'est hyper simple, ça doit être comme ça.
Et voilà, I am the fucking genius, 3000 IQ. Ah. Je dérive encore. Bon, y a rien à fouiller. Par contre, c'est un peu ghetto ici, hein. C'est couvert de sang séché. Ah, on a vraiment enfermé des gens là-dedans ? Apparemment, c'est un oui. Oula, mais c'est une salle de... C'est les cachots, ça se voit. C'est la salle de torture. C'est la salle de torture. Attends, j'avais vu une note. Ouais. Candidate Irina, Miaela, Louise, Ingrid, rejetée, Dandora, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Mina, Astrid, Lunmila, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Putain, il y a plein de noms qui finissent en A, dis donc. On est peut-être en Grèce. Alors, Irina, Miaela, Louise, Loïs, c'est APAT, Veras. Ok. Ingrid, c'est instable, reprend parfois conscience. Ah, ça doit pas être bon si elle a mis ça de côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Pièce détachée. Par contre, j'entends des créatures, moi. Effectivement. Oh. Oh merde, il y en a une là. Mais frère, je suis encerclé ou quoi? Effectivement. Oh, oh, oh. Allez, dans votre cul. Cellule. Non, tu crois? J'avais pas remarqué qu'on était dans une cellule. Je suis pas sûr. Attends, y en a d'autres? Mais frère, y en a combien? Collier d'Ygride. Oh bah j'ai tué Ygride. Donc Ygride elle s'est transformée en ça. Ah c'est triste de apprendre ça. Encore ? Ah oui. Shame. Shame.
Attends, j'ai oublié un truc. Ah oui. Attends, je vais refouiller. Un bon tuyau. Ah oui, effectivement, si j'avais eu ça avant, je pense que... Oui, effectivement. Si j'aurais eu ça avant, je pense que j'aurais été plus tranquille. Bon, tant pis. C'est quoi cet endroit encore? Ah, c'est... y a une clé, ok. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Hein? Merde. Courons. Quel supplice préfères-tu? Te tuer, c'est un beau supplice, non? Alors, voilà. Tu es au menu. Où est-ce que tu es là, petit coquin? Oh putain. Fais comment pour la buter? Tes balles ne font rien du tout. Par contre, ça... Espèce d'imbécile! Ah, par contre, ça te fait mal, hein? Tiens. Je ne donnerai jamais. Par contre, c'est cher. Tiens. Mon corps. Tiens, m'en bat les couilles. Il m'en bat les couilles. M'en bat les couilles. Comment oses-tu t'attaquer à nous? Parce que tu me casses un peu les couilles. Allez, une fille sur trois. Buste cristallisé. Ah. Du coup, moi, j'ai pas pu aller voir ce que j'ai raté, moi, du coup. C'est encore des cashews. Ah bah j'ai pas la clé donc du coup. Donc du coup, celle qui m'a kidnappé, c'est Cassandra. Après, je sais même pas qui j'ai buté. C'est vrai ça, c'est une question, je sais même pas qui j'ai buté. La cuisine. Ah, le v'là la bouteille. Sanguis Virginis. Une autre servante a été envoyée au sous-sol. Son seul crime était d'avoir versé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas. Plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à errer à jamais entre ces murs. Je suis allé la chercher et lorsque je l'ai trouvée, la peau n'avait plus que la peau sur les os et elle était en train de ronger la carcasse d'Ara. J'ai peur d'être la prochaine. C'est une peur totalement légitime.
Ah. Cette serre pourrait être crochetée. C'est quoi ça? Oh, compensateur de recul. Toujours avoir 3. Oh, un crochet. Je vais l'utiliser maintenant. Ange en bois. Et ben voilà. Ah, je casse tout moi. I am very gangster. Clé de la cour. Ah, j'ai pas la clé de la cour. Bon. Ah. Ah, merde, j'ai raté. Ah. De retour à ce château. Bon, j'ai tué une fille, mais j'ai toujours pas de masque, hein, c'est fou. Tiens. Comme nous nous retrouvons. Comment vous êtes fait pour entrer? Qu'est-ce que vous faites là? Bah oui. Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille? Non. Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Ouais. Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais. En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Ah oh, ouais, oui. Ça tombe bien. Trouvez les appartements de Dimitrescu. Oh, 24 000 de thunes. Alors, je vais prendre... J'étais sûr que vous achèteriez cela. Stockage. Et pour fabriquer des mines, oui, on sait jamais. Hein? Vous avez assez de puissance de feu? Revenez quand vous voulez. Ouais, je suis d'accord avec toi. Eh bien, niveau bas, je suis bien, hein. Ça fait plaisir à voir. Eux qui baillent comme jamais, ils sont bas les couilles. Et c'est ça que j'aime. Quand on s'en bat les couilles. Voilà. Pour l'instant, je suis tranquille. Alors. Oui, je sais, il faut que j'ouvre là. Ah oui, bah je vais aller à la cave avant. J'ai toujours peur qu'elle débarque. Bonjour. Sanctis Virginis. M'abroger, hein. J'ai peur de cette porte. Je sais que c'est la salle à manger, mais quand même.
Ah oui, ça je l'ai déjà lu. Clé de la cour. Ah. Ah, ça fait plaisir. Bon. Ah non, ne me dis pas que c'est à ce moment-là qu'elle va apparaître. Attends, je vais aller voir là où je suis passé. J'ai peut-être raté des trucs. Putain, tiroir plein de vide. Ah, du coup, là, l'objectif de ce live, c'est d'avoir les deux masques. Ok, il faut une clé. Attends, c'est la clé de quoi qu'il faut? Clé de Dimitriscu. Ok, bah je l'ai pas. Bon, et apparemment... Ok, très bien. Eh bien, on va aller à la cour. Je te fais visiter. Quoi? Mais non, mais... Merde! Nine! C'était pas prévu! Bon, on va par là. Mais putain! Mais va te faire foutre! Bon, la bonne route! Oh merde, je suis dans la sauce! Cher! J'ai raté ton deck. Oh, j'ai tellement soif. Bah, bois de l'eau, grognasse. Clé de la cour. Ah! Liberté de voiture, voilà. Ah ah, tu peux pas aller dehors, grognasse. Bon. Clé Dimitriscu. Mais... C'est quoi ce château? Il y a des clés partout. Bon, je fouille un peu la cour, on sait jamais, je peux trouver des dingos. Oh, une plante. Ah, ça c'est bien ça. Je vais pouvoir planer face au Snoop Dogg. Allons par là. Oui, par là. Pas par là. Demi-tour. Pas par là. Pas par là. Pourquoi c'est en rouge? Pourtant j'ai tout récolté. Ah. Oh. Ouais. Ah, c'est peut-être parce que les portes, il y a certaines portes qui sont fermées. Hein. Ça doit être ça. Ah, je peux pas accéder là de toute manière. Ok, très bien. Bon, pas le choix, je dois aller par là. Ça fait peur en plus cette grognasse. Oh, fluide chimique. Je casse tout chez vous. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Bah, je l'ai buté. Non? C'est pas ça que vous voulez la réponse? J'ai pas la clé. Bon, tant pis. Carte du château, enceinte principale. Salle d'ablution. Ouais, ça a du plaisir.
une distillerie. Comment on fait pour y accéder? Apparemment, il y a une échelle. Ok. Ouh, des balles. Elle bala de la moelleté. Des tiroirs vides. Comme d'habitude. Ouais. Ah oui. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Ah. Attends. Quand les femmes... Attends. C'est une énigme à la con. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Oh non, pas les énigmes comme ça à la con. Au seigneur, le fruit de leur dur labeur. Attends. Quand les femmes sont insensibles. Attends. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur les fruits de leur dur labeur. Pour que le vin puisse couler. Ah, d'accord. Alors, en gros, faut que personne ne la regarde, eux. Du coup. Ça nous va faire ça. Et elle doit regarder là. Pas ça. Ah, au seigneur. Ah, c'est peut-être le cavalier. Ah. Putain. L'énigme résolue en 15 secondes. Record. Je suis fier. Je pensais pas répondre à une énigme aussi rapidement. Oh, la chèvre en bois. Tiens, on va te faire foutre. Ah putain. Ah oh, c'est dégueulasse. Je suis où encore? Ah bah je suis à la distillerie. Par contre j'aime pas la distillerie. Ferraille. Je sais même pas si c'est du vin ou du sang. Je miserais plus sur un mélange des deux. Car bah, c'est dégueulasse. Oh putain sa mère. Tiens. Mitraillage de balles, efficacité 100%. On bat les coups de ton avis. Quelqu'un a un avis à donner? Non. Alors fermez-la. Je parlais aux zombies. Quoi encore? J'ai mal regardé quelque part. Après tout, c'est peut-être possible. Hein.
ces trucs qui bougent, mais je sais même pas s'ils sont encore vivants ou morts. Je miserais plus sur ils sont vivants. Enfin, non, morts, mais non, je suis con. Bon. En tout cas, je tiens juste à dire que c'est un peu ghetto ici. Hein. Bah non, mais du coup ça me coupe un passage, je suis con. Juste ça. Voilà, va te foutre. Bon. Assez rigolé. You are I am a winner, you are a loser. Oh sa mère. Et bah nickel, j'ai plus besoin de retourner en bas, sauf ça. Ah oui, sauf là. Eh bien, utilisant ça. Oh. Merci l'ascenseur. Je suis où? Ah. Ça va, pour l'instant, niveau... Pour l'instant, niveau vie, je m'en sors pas très bien. Oula, je vais peut-être pas tomber moi. Au moment où je dis ça. De toute façon, j'avais tout récupéré. Là. Ah. Ah merde. Elle nous voit pas là. Ah non. Bah, en même temps, elle est tellement grande. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. D'accord. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles. On est même chez. Je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait!
désolé pour ce petit blanc. Ah, désolé pour ce petit blanc, j'avais un... J'ai eu un petit mal de ventre, il fallait bien donc que ça sorte. Bon. Ah, scheiße. Rose, où es-tu? Attends. Mère Miranda nous a tous convoqués pour que nous discutions du sort du père de l'enfant. J'ai annoncé rien qu'en pensant à cette réunion de famille. J'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables. Surtout Heisenberg, ce faquin ne connaît pas les bonnes manières. Je l'aurais découpé en morceaux si Mère ne m'aurait pas arrêté. Pourquoi me traite-t-elle comme les autres? Elle m'a pourtant donné ce château des filles obéissantes et la vie éternelle. Ne suis-je pas sa préférée? Ne suis-je pas spéciale? Je crois que j'ai besoin d'un verre. 200, lol. Ah, clé de Dimitriscu. Ah oh, bah ça va être pratique. Allez, ouvrons la porte. Ah merde. Faut pas que ça tombe un jour hein. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous me faites? Ah, espèce de misérable créature ingrate. Tu t'invites chez moi. Oula, oula, oula. Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient. Comment oses-tu? Oula. Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer et je vais te détruire. Ah, nickel. Je suis encore où encore? Et c'est toujours... Oh putain, je suis dans un bourbier moi. Je sais même pas où je suis. Attention, elle va me traquer, c'est-à-dire que... Oh non, c'est pas bon ça. Pas bon du tout. Alors la musique, ça me fait... ça donne pas envie de continuer, lol. Cachot. Oh, nickel. Allez, ouvrons la porte. Oh putain sa main. Comme si j'allais te laisser filer. Tu finiras en morceaux avant d'avoir pu revoir cet enfant. Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitriscu. Run. Putain, ça met 3 millions, bien sûr. Viens là. Ah
Ah, le premier masque. Masque du chagrin. Courir ne te mènera nulle part. Ouais, mais du coup, moi, ma main, je fais quoi? Attends, il l'a armé comme ça? Attends, ça a vraiment marché cette merde? Attends, tu rigoles là, j'espère, Ethan. Ok. C'est bon, je me casse d'ici. Bah, j'ai déjà récupéré un masque, c'est sortir du château. Ah ouais, je fais comment? Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Do you have a problem? Ah, y'a. Mais lâche-moi tranquille. Tiens, ta tronche. Quelqu'un d'autre? Ah. Voilà, dans ta tronche. Ouais, je subis une attaque ou quoi? Merde. Mes frères, il y en a combien? C'est bon. Tu auras finish. Putain, et en plus... Ah oui, bah attends. Plus la cour, elle m'affiche... Oh! Ah bah nickel. Alors, il me faut ça, il me faut ça, et voilà. Faut que j'aille par là. Je vais retourner aux appartements de Dimitrescu parce que j'ai raté des trucs. Et là, bam, je tombe devant elle. C'est faux. Rouge à lèvres. Ok. Ah, il y a une porte à l'extérieur qui est potentiellement ouverte. Ok. Comment je fais pour y accéder déjà? Ah oui, je passe par la distillerie. Mais pour la distillerie, il faut que je passe par la cuisine. Donc, du coup, il faut que je sorte de là. Non, c'est pas là, la sorcière.
Alors, du coup, il me reste plus que deux filles et je vais avoir Dimitrescu sur le cul. Ah bah nickel. Let's fun. Pas le temps pour ça. Ah y'a des créatures cheloues. Ouf. Je suis pas à bouffer. J'ai à peine me soigner, vous. Tiens, toi. Ta tronche de Kekos. Voilà, dans ta tronche. Ouais, théoriquement, faut que je fasse tout ça. Ouais, faut que j'aille par là. Running. Ah mais non, je suis con, j'aurais dû passer. Mais non, mais putain, c'est pas le bon chemin. Mais oui, mais voilà. C'est pas le bon chemin. Oh. Mais non, faut que j'ai dans la salle d'ablution. Oh, fais chier. Oh, je suis déjà vu. Merde, j'ai pas pris le bon chemin. Tant pis. Marche en arrière. Allez, on y va, on se casse. On remonte là où on était. Moi j'ai pu buter des créatures. Ah c'est vrai. Ethan Von Hiver est de retour pour animer cette vidéo, ya. Alzo. J'ai tué une de ses filles, ya. Ça me débarrasse un peu le plancher. Oh, y a d'autres. Ah, scheisse. J'en ai marre de vous et de vos conneries. Ya, j'en ai marre de vous et de vos conneries. Moi fâché, moi pas content. Alzo. Bon, on refait le marche arrière. Darcis Nishgut. Y a eu un rafraîchissage. Bon.
Allons là. Ah oui, là. Putain, je suis super fort. Bon. On traverse cette mare de sang, bien sûr. Ou de vin rouge. J'ai même pas envie de me poser la question et j'ai même pas envie de savoir. De tourner en rond. Ah non, c'est le bon chemin. Allez. Ah. Bon, on sauvegarde là, même si on n'en a pas fini.
Désolé encore de ma coupure. Et quelle heure? 22h. Ok. Bon. On va essayer de récupérer le masque. Hein. Alors pourquoi j'ai des coupures comme ça? Bah c'est tout simple, j'ai une indigestion. Un truc que j'ai mangé ce soir, parce que ça passe pas. Bon, je devine très clairement que c'est les nems. Les nems ont du mal à passer. Pourtant, j'ai l'habitude, c'est au poulet. Je me sens un peu. Alors, on va aller à la salle du plaisir. On va aller à la salle du plaisir. Je sais pas ce qu'il y a, mais apparemment il y a un truc important. Elle est où? Joue encore avec moi. Oh non. Oh non, c'est la fille de merde là. Mère te trouve grand. Mais je vais te faire des soins. Merde. Haha, tu es bloqué. Chier. Ah bah ouais, mais du coup moi aussi. Oh. Un peu con ça. Bague en argent. Encore autre chose? Ah oui là. Cartouche de fusil, cartouche de fusil. Peu bon. Bon allez par là. J'avais peur que mes sœurs ne t'aient trouvé avant moi. Mais va te faire foutre! Qu'est-ce que ça fait? Écoute, j'ai pas envie de donner mon avis, puisque flemme. La chasse est gâchée à cause de toi! On bat les couilles de ça. Mon corps! Ça c'est. Oula! Sois maudit! Non! C'est pas vrai! Bah oui, je l'ai défoncé! Pourquoi? Parce que t'es... ta vie c'est de la merde! Oula! Oula, je vais te trucider! Soigne-toi! Bah en plus c'est vraiment tout petit comme espace, je peux pas vraiment me cacher. Tu échapperas pas. Tu es ma. Et bah voilà. Une fille, deuxième fille. Ah ça fait plaisir. Trophée de chasse. Ah là là. Voilà.
Et hop là, ça fait deux masques. Et on va pouvoir arrêter là pour aujourd'hui. Deux masques sur quatre. Ah. Ouf, j'ai échappé belle. Bon, on mettra tous les masques quand je les aurai toutes. Heureux de vous voir sain et sauf. Ah, rebonjour. Aucun signe de Rose. Oh, vous m'en voyez fort désolé. Bah, vous retrouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose? Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Ah, ça fait plaisir. À votre service. Ah, combinable. Très bien, j'achète. J'ai de nouveaux articles pour vous, Monsieur Winters. Ouais, mais ça me sert à rien. Attends, j'ai un crochet ? Non. Oh, nickel ! Si je puis m'exprimer là. Oh putain, le screamer ! Je m'attendais tout sauf à ça. Je suis pas là, hein. Tu m'as pas vu. Merde, mais non, je dois juste crocheter le truc et après j'en ai fini. Je dois juste aller là, crocheter, sauvegarder et finito la vidéo. Oh, je l'ai vu. Allons par là. Mais oui, mais j'ai accroché, j'ai un crochetage. 33 000. Bon, bah, c'est bien. Oh, des balles de pompe. Ça fait plaisir, ça. On est d'accord, c'est pas bon, ça. Bon, j'ai tué deux de ses filles. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Bonjour monsieur. Allez, on se regarde et on arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. Bah, moi ça m'a plu, malgré que j'ai une indigestion. Enfin, ça a l'air de se calmer, mais attention quand même. Ma nuit va être forcément pas ouf. Donc je vous dis à la prochaine. Bisous.